Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsujiniro. Bienvenue, chers amis, ou plutôt devrais-je dire bienvenue, chers camarades. Bienvenue, vous rejoignez la lutte pour reprendre le pouvoir du mal de capitaliste vilain, pas beau, méchant. Voilà, ça c'est bravo. Merci à Seb Dugrenier qui m'a niqué mon accent russe. Je sais plus le faire. Ça se transforme en un accent sud-américain totalement pourrave. Bref, bienvenue dans Tooth and Tail. Tooth and. Voilà, ça c'est un mot que j'ai du mal à dire parce que TH ça fait Tooth and Tail. Tooth. Bon, bref, dents et queue. Hein, dents et queue. À ne pas éviter de mettre les dents. Bref. Petit jeu un peu ovni. Je pensais que c'était un jeu de gestion. Je pensais que c'était un jeu, ouais, un jeu de stratégie. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis ovni. C'est un peu étrange comme jeu. Donc, c'est la révolution bolchevique. Vraiment, c'est les rouges, les communistes, qui prennent le pouvoir sur les vilains, méchants. Pas beau, et d'ailleurs il y a une cinématique, et voilà, Mélenchon a dû financer ce jeu, donc voilà, amis camarades, ce jeu est fait pour vous. Alors il est entièrement en anglais, et c'est tout. Entièrement en anglais, et c'est tout. I told my son, we won't work the farms, no. We won't eat the food of beasts. We'll eat meat, as any civilized animal does. But when the civilized called a harvest, and the city feasted on my boy, we took to the warrens and lit the country aflame. Who decides the fate of animals? The long coats? The common folk? The KSR? Or the civilized? Whoever triumphs will go hungry no more. Those who fall will be dead. Donc voilà, papa est pas content, ils ont pris son fiston. Oh là, si vous êtes from Fast Honor Chains. Alors, RT. Really Army. Attends, que. Voilà, donc RT c'est l'autre. Hein. Donc ça c'est pour les faire venir. Attends. Locket attack. Alors ça c'est pour. Ça c'est il creuse et donc il revient ici. C'est un peu un jeu de plateau en fait. Voilà, si je me souviens bien des touches, c'est ça. Ok. Donc vraiment le. Venez camarades, il est temps de détruire les vilains méchants. Alors donc il faut pas qu'il me tape. Il faut qu'il tape mes petits copains là. 75. Et donc je viens de faire un. Voilà, conquérir ça. Et maintenant j'ai des. Ok, donc j'ai des défenses. Alors ça par contre. Allez camarades, la gloire du combat. Battez-vous pour moi. Parce que moi j'ai pas très très envie. Oh là là, mais ils sont en train de se faire massacrer. Oh là là. Ah bah c'est bon, y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ils se sont fait massacrer par les tourelles là. Ah, il y en a d'autres. Donc ça pop régulièrement. C'est les nids à petit bonhomme. Aux armes, citoyens, la révolution est arrivée. Attaquez, attaquez, mes amis, attaquez. Ah mais il faut rester à distance alors, c'est bon là les. Quels sont ces oiseaux de malheur? Tu peux buter les os là? D'accord, alors les machins là, on peut pas les. Il faut les attirer sur nos défenses, ok. Apparemment, j'ai rien en anti-aérien. En anti-aérien, j'ai rien du tout. Allez, mes amis, sacrifiez votre vie pour la cause.
Alors moi je ne fais rien, hein. Vraiment je leur demande de faire pour moi, mais vous pouvez pas le buter ce machin? Super, là j'ai un gros. Donc c'est du pixel, hein, c'est du pixel art, heroic, destroyer all enemy structure. Destroyer de civilized, the really army, ok. Bon bah Oh, qui c'est lui? Il a l'air méchant. Ou c'est quoi ce lance-flamme? C'est lui le lance-flamme? Ah oui, d'accord, c'est lui le lance-flamme. Donc je découvre, hein. J'ai pas eu le temps de rejouer à ce jeu. J'ai essayé vite fait hier ou avant-hier, je sais plus. Et il est sorti le 12, hein, il me semble. Le 12 ou le 11, je sais plus. Je sais plus rien. Je ne sais plus rien, voilà, chers amis. Donc nous sommes arrivés, mais c'est plein de viande. Alors je me demande bien si c'est des animaux qui sont végétariens, parce que mon anglais pourri n'a pas fait que j'ai tout compris. Ils ont pris son fils, donc papa il est vénère. Ils aiment la viande, mais en même temps ce sont des animaux. La révolution is beginning. Hey boss, oula, c'est assez rapide. Ok, d'accord. Hey boss, we doing just like say the plane. Turn after a little management. Which is in comprade? Oula, je comprends pas tout, hein. Pardon les amis, mon anglais il est pourri, hein. Well, surprise them, yes. Just like when... Oui, non, mais... Qu'est-ce que je viens de faire? Ok, c'est parfait. Est-ce que vous êtes de mon côté? Donc c'est là que ça se transforme en jeu de plateau? Ok... Donc il faut construire des nids et ça se construit tout doucement. Donc il faut construire des nids, des fermes. Ok, j'ai compris. Pour avoir des petits bonhommes, sécuriser la zone et puis aller conquérir le reste. Attends, donc je peux en construire un de ça? Non, pas encore. Venez avec moi, courageux, courageux petits animaux qui vont se sacrifier pour moi, mais c'est pour la cause, alors... Ah, j'ai droit d'en avoir qu'un seul. 2 sur 2. 6 sur 12. Ah, yeah. C'est du joli pixel, c'est simple mais c'est joli. Que demande le peuple? À part du pain et du travail. Je vais attendre d'avoir des gens. Alors, autoplay. Oui, alors, autoplay, alors, c'était hyper simple. Hein. Je pensais avoir un tutoriel, mais regardez là. Build de farm. Bon, pour avoir de la nourriture. Spend food. Envoyer la nourriture au builder. Warren Automaticien Product Unity. Hein, et puis voilà. C'est parti. Hein, really Unity Order to you position. Donc on sécurise. On fait de la bouffe. On nourrit les gens. Tiens, viens là toi. Attends. Device Browser Advance. Bon, on va peut-être... Je vous cache pas que je comprends à peine ce qui se passe. D'accord, ça c'est déjà fait. Avec moi, camarade, avec moi. Ah, mais les cochons, ils sont méchants. Je dois conquérir ce point.
Battez-vous pour moi. Là, les défenses. Oh, putain. Allez, renfort arrive. J'ai un peu de mal, hein. je sais pas vous, mais j'ai un tout petit peu de mal avec... On va faire une petite retraite stratégique, là, on a bien travaillé. Venez avec moi, venez. On les soigne tous. Ah, tiens, j'ai déjà 4 sur 4 au niveau des... Non, ok. Avec moi, courageux amis. Voilà, 18 sur 18, 4 sur 4, normalement je suis au maximum. Ok, allons-y, bah c'est un point d'eau ça, non? Vous pouvez le buter celui-là? Oui, c'est bien. Est-ce qu'il nous le faut là, le point d'eau? Alors lui, c'est vraiment de l'aérien, hein. Est-ce qu'à un moment donné, il me demande de construire dessus ou de conquérir? Non, pas du tout. Hein. Ah, évidemment, on passe dans l'eau, ça nous ralentit. On va le prendre. Alors, je sais pas si mes mortiers peuvent s'en occuper de loin. Il faut se tourner vers l'ennemi et envoyer un signal d'attaque. Comme ça, mes mortiers ils font le boulot. C'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. Ok, je suis pas complètement con, chers amis, je commence à comprendre. Ça marche bien, hein. Héroïque. Ça y est, c'est tout. Bon, bah, voilà. Le capitaliste est vaincu. Replay de mission. D'accord, donc ils ont chacun une mission à nous donner. Hey, boss. Just been watched. C'est quoi ça? Rio were just beginning. Okay. Eh ben. Donc on est dans un bar. It's a success and need enough meat to feed an army. Donc ils ont besoin de plus de viande pour nourrir l'armée. Donc ils ont enlevé son fils pour l'enrôler dans l'armée et ils ont sans doute pillé leur récolte. Citizen look like you, boss. Bon, c'est rien d'intéressant. Bon, un plan de bataille, je suppose que... Hey boss, we want a bit of a problem. Have a bit of problem? Vous voulez mordre un problème? Oui, je suppose, c'est très animalier, hein. Like a problem. Oh, quel genre de problème? Mansion... Oh là, Yellow Walker! Or two but fun... D'accord, héroïque. Y mission mind. Allez, c'est parti. Eh ben, j'ai personne avec moi. Mais qui c'est lui? Donc nous sommes dans les égouts. Ok. Il faut sans doute que je trouve un point. Mais attends une minute. Attends, je reviens. C'est ça. C'est ça. Et maintenant j'ai besoin de personnes qui récoltent le... Enfin, qui travaillent à la ferme. Il me faut des fermiers. Où c'est que je trouve ça? Oui, non, ça c'est pour réapparaître. Ah bah, je vois la map. Je peux apparaître là? Ah
Ah, il need a more farmer. Oh non, mais quel idiot. Ah, ça c'est... Ouais. Bon, bah en même temps, c'est pas comme si je pouvais... Si je pouvais, je peux les mettre ailleurs. Ah bah oui, enfin en même temps j'ai pas de ressources, 660 food. Oh, j'ai tout gâché là. J'ai tout gâché, je pensais que ça aurait fait des terriers en fait. Et que ça m'aurait permis de... Bah de... Bon bah ils produisent quand même pas mal là, c'est bien. On est juste à côté. Pas assez, ok. Et ils se font attaquer là-bas? Oui, c'est ça, ils se font déjà attaquer là-bas. Je peux pas le taper moi-même, hein. Bon bah j'ai fait de la merde au début. Est-ce que je peux recommencer? Kit de menu option. Est-ce que je peux recommencer? Ça sert à rien. J'ai fait du caca, chers amis. Je m'en excuse. Ah, quittez, toi. T'es le méchant. T'es mon adversaire. Je suppose que tu es mon adversaire. Il me tire dessus. Ok. Donc, on va déjà... Mais pourquoi il me permet de construire seulement une fois ici? Je vais arrêter de passer dans l'eau parce que c'est chiant en fait. Salut? Tu dégages? D'accord, eux ils le tapent, d'accord. Ça c'est mon chez moi. Ok. Donc on va faire ça comme ça. Eh ben voilà, là ils sont bien placés là. Non, dégage, méchant, vilain, serpent. Donc, il me faut de la nourriture pour les... Produisez plus de nourriture, chers amis, plus de nourriture. Ouais, c'est hyper simple quand même comme jeu, hein. Tu produis de la nourriture, tu fais des défenses et des bonhommes, tu attaques. Alors ici on est bien protégé. Ici ça arrive, la bouffetance. Donc voilà, un petit jeu un peu ovni, j'ai envie de dire, vraiment ovni. Ça me... Par contre après je suis bloqué, vous voyez, je peux plus passer, donc il faut faire gaffe. Eh ben voilà, t'es mort, salopard. Vilain capitaliste. Mais vous êtes combien, là, les capitalistes? Il y en a partout, en fait. Ok, 160, la bouffetance. Je vais en faire partout. Bon bah ici, à mon avis, ils se feront pas trop attaquer par là. Héroïque, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est fini? Bon bah ok, d'accord. Mais je pense qu'on est encore dans le tutoriel là. Allez, chers amis, on est encore dans le tutoriel. Un peu de bière. Warlock, rien d'intéressant. Todé spécial flanque Karina.
Bon, bah, je vais chercher une autre mission. Là, le monsieur sanglier, l'espèce de gros cochon, a sûrement la suite de la mission Civilization Outside. City, much family land. Brother, I think it's time to look. Cotney Rover, I couldn't understand the stop on the end. Power, some natural consequence, révolution. Bon, d'accord, ok, c'est très très intéressant. Donc là, je vais avoir des hommes, des défenses, et un type bourré avec un flingue. Un écureuil en plus. Parfait. Ok, re les amis. Je vais continuer cette mission ici parce qu'elle est plus difficile que les autres et qu'il a fallu comprendre un petit peu comment marche le système de ferme qui est ici. Allez, on produit les petits cochons. Vous, je viens vous parler, je suis très très gentil, je vous donne à manger. Et donc après, je peux normalement fabriquer vos unités. Alors les mortiers, c'est Gauthier, hein. Là, les mortiers, ça marche très très bien. Mais pour l'instant... on va faire du farming. Il faut 180 pour rescuer lui. Et il sert qu'à la défense. Hein. Il ne sert qu'à la défense. Combien? 60 pour que je puisse fabriquer. On va poser tout de suite les écureuils. On va poser tout de suite la cage aux écureuils bourrés. Après, on va faire les fouines qui ont des gros canons. Et je lui parle à lui. Donc tu viens avec moi. Il me faut 120 pour lui, mais il est 180, pardon, 180. Allez, 180. Vas-y ma poule, on y va. Parfait. Voilà, un bon lance-flamme. Une cage à écureuil, fais-moi des petits écureuils tout méchants. Et donc là maintenant, la protection. Alors il faut se dépêcher parce que là les récoltes elles ont une durée de vie qui est pas excessif. Hein. Il faut vite, par exemple ici. Si les mortiers voulaient bien se débarrasser... Voilà, parfait. Maintenant, c'est à moi. Maintenant, c'est à moi. Et donc, je vais poser... Oh là 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 là. Les petits oiseaux, là. Avec les lance-flammes qui font extrêmement mal, hein. Donc ça coûte 60, hein, un carré de ferme, et ça, bah, ça rapporte pas mal, il faut vraiment de... Ça aussi, c'est peut-être pas la peine de trop en faire dans un premier temps. 3 déjà, c'est bien, par secteur. Faut essayer de poser des... Ah, il m'en faut, hein, il me faut 120, ces gouttières, hein, il me faut vraiment des fouines, là c'est nickel les fouines. Allez, allez les enfants. On peut y arriver. Là, je vais sécuriser. Je vais encore en mettre un ici. Ah, lui, il se balade. Hein. Lui, il se balade. Hein. D'accord. Donc, vous avez décidé de passer par là maintenant. Bon, bah, je vais en mettre un là. Et puis, ben, un là, on va dire. Et tout le reste. Vous voyez, 3 ça suffit, hein. 3 c'est déjà pas mal. Allez, allez, on produit, on recrute des petits cochons. Et puis bah on va faire une petite attaque, on va les laisser produire.
Et butez-moi ce salopard, vous pouvez. Ah, tiens, c'est encore chez moi ici. D'accord. Le terrain a été étendu, hein. C'est ça, rentre chez toi, salopard. Une fois que ça sera à moi, je vais en poser 3-4. Et je vais commencer à construire. Oh là là, regardez, regardez ça. C'est Byzance. Oh là là, nickel ça. Allez, venez, venez, je vous attends. Venez seulement. Alors, c'est bien là les petits machins, mais il faut commencer à... Nickel. Oh là là, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux. On recule. On recule les oiseaux. Ouais, butez-moi ce salopard. Bon, de toute façon, il va se faire buter par une mitrailleuse quelque part. Est-ce que je peux fabriquer un gros, là? Si, je peux fabriquer un gros. Allez, on fabrique les enfants, on fabrique, c'est nickel. Un machin, un fouine, j'en ai 2 sur 2, 6 sur 6. D'accord, voilà. Il arrive le gros, là? Oh, ça marche bien. Oh, c'est bien. Hop là, je vais en poser un là et un, disons, là. Allez les enfants, il me faut des troupes maintenant. Il est où le gros? Peut-être s'il se fait tuer à la rigueur. Il y a chance. Allez, venez avec moi. Ah d'accord, tenir la position et le mec qui découvre le jeu quoi. Allez. Mais vous pouvez pas passer par là? Voilà, j'ai deux gros. Ouh là là, recule, recule les oiseaux, recule les oiseaux. On démonte là, allez, allez, allez. Non, j'ai plus de mortier. Oh là là, le lance-flamme, ça marche bien. Oh là là, le lance-flamme, ça marche bien. J'ai tellement d'argent, je sais plus quoi en faire. On va brûler tout. Brûler tout au nom du communisme. Eh bah voilà, tu vois quand tu veux. Bah j'ai mis 2 tours à comprendre le système, mais je crois que je suis au point là. Allez, allez, on le détruit encore celui-là. Mais du coup, il est où? Il doit être là. Oh là 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 là. Où ils sont les copains là? Venez, venez, venez. D'accord, ils mettent un petit moment avant de produire et j'ai perdu mes gros. Ah non, il y en a un là, c'est bon. Parce que j'attaque, mais... Ça me fait combien? 1000? Oh là là, 1000. 1000. Ah, il faut attendre que ce soit complètement chez moi. Voilà, t'es chez moi, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Communist power. Je vais en mettre partout.
J'en mets partout. Ah ouais, mais c'est foutu là le... Oh là là, c'est pas la peine de... Allez, encore du... Du... Ah, je peux pas les mettre là, Venez. On sait jamais, hein, je fais durer le plaisir là. Mais on va attaquer. Là, c'est vraiment pour assurer mes arrières. Donc, ouh, la bouffe, ça diminue quand même. Hein. À vos armes, citoyens. Bon, bah, à mon avis, il est mort, lui. Hein. Je pense que c'est sa dernière poche de résistance. À moins qu'il y en ait eu une en haut, tout en haut. Bah, voilà. Ça, c'est fait, ça, non? Ah, toujours pas, Tiens, tu... Ouh, par contre, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus beaucoup de... Ça monte plus aussi vite qu'avant. Oh là 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 là, ça va, j'ai dû... Ah bah parfait, regardez là. Juste parce que je peux le faire. Bon, alors pour tout vous dire, je pensais vraiment que le... Que le jeu s'arrêterait, enfin que j'ai gagné quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je gagne pas? Peut-être qu'il veut vraiment que je chope tout le terrain. Ça y est, c'est à moi. Voilà. Oh là là, punaise. Oh que c'est beau. Normalement, j'ai deux gros qui devraient pop. Ah mais il y a une minute, je le vois là. Je le vois, il est juste là, ce salopard. Eh ben voilà, héroïque, nickel, il était juste au-dessus. Salopard. Vilain, vilain tout plein. Révolution is begum. Beginning, bon bref, Begum. Sans doute que la révolution commence. Bien, chers amis, c'était un petit jeu, ma foi, prenant, sympathique, plutôt joli, vraiment. Je me suis bien amusé dessus. Bon, bah écoutez, hein, on va en rester là, la vidéo est assez longue comme ça. Si vous en voulez encore, petit pouce bleu, pour voir ce que donne la révolution. Hein. Petit pouce bleu, abonnez-vous, hein, abonnez-vous, parce qu'on est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Donc, des bisous à mes anciens abonnés qui me soutiennent. Des bisous aux nouveaux qui arrivent, j'aimerais bien dire nombreux, peut-être un jour. Bref, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Tchou tchou, bye bye, à la prochaine.